Dans le cadre de ses activités de lutte contre les IST, le VIH et le SIDA, le consortium Emprod Sahel et Aide et Action Internationale, sous l'appui financier de l'Union européenne, vient au secours des centres de santé communautaires, CSCOM. Cette fois-ci, c'est la commune 6 du district de Bamako qui est à l'honneur. À cet effet, une importante quantité de kits médicaux a été remis au centre de santé de référence de la dite commune. Nous avons voulu respecter le chemin directeur, livré directement dans les CSCOM. Donc nous avons voulu passer par le CCRF qui va approvisionner à son tour les CSCOM. Alors, ces réactifs comprennent des termites, qui est dans l'algorithme de dépistage. Ça comprend également Orakik et Clairview, qui sont les trois réactifs dans l'algorithme de dépistage au Mali. Nous avons aussi mis à la disposition des CSCOM des consommables, comme les gants, les seringues, etc. Toutes choses pour faciliter le dépistage volontaire des personnes qui aimeraient connaître leur statut sérologique et faciliter le travail de la lutte contre le sida au Mali. Ces équipements viennent renforcer les dispositifs techniques de l'ensemble des centres de santé de la commune 6. Cela dans leurs activités de dépistage et de prise en charge du VIH-SIDA. Nous sommes très ravis par rapport à ces grands lots de tests et de consommables pour la prise en charge de nos personnes vivant avec le VIH, mais surtout pour le dépistage le long du corridor Bamako et Maraka-Kongo. C'est d'une grande importance dans la mesure où, avec les problèmes du pays et avec la situation qui sévit avec le Fonds mondial, on est souvent en rupture des tests. Ça va servir nos structures sanitaires qui sont impliquées, qui font des activités dans le cadre du projet. Les responsables du CSRF, centre de santé de référence de la commune, ont promis de faire un usage équitable de ces réactifs et consommables. Très prochainement, d'autres structures du pays bénéficieront du même geste pour leur permettre de mieux se positionner dans leur combat contre les IST et les VIH-SIDA.